Salut poteau, j'espère que tu vas bien, bienvenue sur Je tente ma chance. Aujourd'hui j'avais envie de te faire une vidéo pour te présenter deux applications de téléphone sur Android, donc ça doit marcher aussi sur une tablette Android, hein, tout simplement enfin, avec le système Android. Ces deux applications vont te permettre de gagner une de l'argent avec des vidéos et de deux de la crypto-monnaie. Donc pour ce faire, il y a des inconvénients dans ces applications. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te montrer deux astuces que tu pourras faire pour générer tes gains dessus. Donc si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, Je tente ma chance, n'hésite pas d'activer la cloche, d'accord, de t'abonner, de liker cette vidéo si tu as aimé, de la partager pour me faire connaître davantage sur YouTube. Donc, let's go pour la vidéo, poteau. Je te remercie d'avance et c'est parti. Yeah. Donc, let's go les poteaux. Nous allons voir la première application. Donc, à mon avis, je me doute que vous voulez savoir comment gagner de l'argent, d'accord, au lieu de la crypto peut-être, ou alors c'est plus l'inverse, je ne sais pas. Donc je vais commencer par l'application de la crypto monnaie. Et oui, dommage pour toi poteau, voilà, si tu n'es pas intéressé par les crypto monnaies, tu peux avancer cette vidéo pour aller voir comment gagner de l'argent en regardant des vidéos avec une application et l'astuce que je te donne pour gagner plus vite, optimiser tes gains sur cette application. Donc là, je vais ouvrir mon téléphone qui se retrouve à l'écran, d'accord. Donc voilà. Donc tout simplement, tu vas télécharger poteau sur le Play Store, hein, qui se trouve ici. Voilà. Tu vas télécharger ici. En recherche, tu vas taper multiple. Cloud mining. Donc tu vas taper celui-ci et tu vas prendre cette application. Voilà, Multiple Cloud Miner en fait. Voilà, tu vas télécharger cette application pour miner de la crypto-monnaie. Donc tu vas faire ensuite ouvrir, d'accord. Voilà, et comme tu pourras voir, tu peux miner en fait du BTC. Donc ça, c'est une sorte de pub quoi. Tu peux miner soit du BTC, soit du Gwei en Ethereum, ou soit, comme tu peux voir, du Bitcoin Cash. Donc ma balance est de 6963 Satoshi. Donc rien de plus compliqué, cette application, tu as juste à faire un start mining ici, d'accord, et en fait voilà, tu vas miner ton Bitcoin Cash ou ton Bitcoin ou ton Ethereum à côté. Donc ça va augmenter quelques secondes par la suite, normalement ça augmente, hein, vous allez voir, voilà, je passe à 64, donc ça monte tout doucement. Donc c'est une application de minage auquel vous pouvez également retrouver en bas des plans. Donc là on est en plan gratuit, d'accord, donc tu vas doucement à miner et tu demanderas ton minimum de paiement de 50 000 satoshi. Donc moi je l'essaie gratuitement, d'accord, je mine franchement par jour, s'il est toujours connecté, tu peux largement dépasser tes 5000 satoshi par jour, d'accord. Donc en moins de 10 jours tu peux avoir ton minimum de paiement de 50 000 satoshi en BCH. Enfin, moi je parle de BCH parce que j'en mine. Voilà, donc comme tu peux voir, ça monte tout doucement. Le problème, donc je vais revenir au plan, parce que vous pouvez upgrader le plan, c'est à dire que vous pouvez quitter investir dessus, d'accord. Donc là on a le plan à zéro auquel il est actif. Sur le côté, pour 20$, vous pouvez acheter ce plan price auquel vous allez miner pour 30 TH. Donc là on est seulement sur du 10 TH, d'accord. Donc attendez, parce que voilà, je reviens là parce que l'assistant Google, je sais pas pourquoi c'est activé.
Plan name, bon bah c'est défaut, hein, c'est BCH plan. 30 jours, plan de duration, on a le droit qu'à 30 jours de BCH, d'accord. Donc, et le minimum de payout est de 50 000. Donc, bien sûr, si tu ne le fais pas tout le temps, je pense que ton plan de 30 jours, tu n'arriveras pas à terme de tes 50 000. Donc, c'est pour ça, hein, que soit que tu investis 20 dollars pour augmenter tes gains, là tu peux voir que ton minimum de paiement va baisser si tu investis, d'accord. Ton plan dure toujours 30 jours, d'accord, et ainsi de suite. Tu as un plan à 30 dollars auquel tu vas miner à 50 TH par seconde, là ça baisse encore à 40 000 le minimum de paiement, toujours 30 jours, toujours 30 jours, mais sauf que plus que tu vas mettre, plus que ton minimum de paiement, tu pourras récupérer ton argent plus rapidement, d'accord. Donc ici, on a un plan price à 18 dollars, donc un peu moins que le deuxième, ça je ne l'avais pas vu. Donc le custom plan, le plan est de 1 mois, donc 30 jours, hein, et tu vas miner à 25 TH par seconde. Donc voilà pour le dernier, hein, qui est un peu moins cher que le deuxième en fait, hein, que celui-ci à 18 dollars. Donc là on mine à 30 et j'ai pas vu en fait, j'ai custom plan, je ne sais pas, à 25, voilà. Pour 18 dollars, pour 2 dollars, moi je vous conseille franchement de prendre celui-là, celui qui veut investir, upgrader son plan. Donc on revient sur l'application gratuite, d'accord, auquel même moi je suis en gratuit. Donc tu peux voir que j'ai 6977 satoshi et il me faut 50 000 pour demander un paiement à transférer ça sur n'importe quelle wallet en Bitcoin Cash ou en BTC ou en Ethereum. Donc le problème avec cette application, et même, enfin c'est même pas le problème de cette application, c'est le problème de ton téléphone ou ta tablette. À un moment donné, qu'est-ce qui arrive, poteau, même si tu mines ton truc, et ben ton téléphone se met en veille. Voilà. Donc dès qu'il est en veille, et ben poteau, cette application ne fonctionne plus, ton minage est stoppé. Donc c'est pour ça que on va revenir tout de suite à mon écran d'accueil, d'accord. Donc pour voir, on va faire tout simplement un essai. Donc je sais plus où est-ce que c'est déjà pour l'écran de verrouillage. Donc ici la veille, je vais mettre la veille en fait. Vous allez voir que d'ici 15 secondes, d'accord, j'ai mis 15 secondes. Donc admettons, on est là, on mine et au bout de 15 secondes, normalement, mon téléphone va se mettre en veille et cette application ne va plus miner. Donc voilà ce problème. Donc sur l'écran, je ne sais pas, ouais, voilà, on le voit aussi sur l'écran, comme tu peux voir, voilà, il s'est mis en veille et l'application ne fonctionne plus. Donc le problème, donc je le rallume. Voilà, je reviens sur l'application. Donc ce système est tout simplement mal fait, hein, tout simplement parce que ouais, voilà, c'est en veille, ça mine plus. C'est un petit peu chiant. je vais revenir à mes 10 minutes poteau, enfin quoi que j'en ai pas besoin, vu que on va aller directement sur le Play Store, d'accord, et en fait je vais te faire télécharger tout simplement un logiciel. Hop, tu vas sur le Play Store et tu vas faire garder l'écran allumé, d'accord, tu fais garder l'écran allumé. Et tout simplement, moi j'ai pris cette petite ampoule, garder l'écran allumé ici, d'accord. Donc là, voilà, tu télécharges cette petite ampoule, tu fais ouvrir, et tout simplement, tu fais installer, après ouvrir. Et quand tu appuies une fois sur ouvrir, et ben, tout simplement, mon écran ne va plus. Ah, c'est chiant ça. Voilà, mon écran ne va plus s'éteindre. Donc on va faire tout de suite le test. Donc voilà, normalement au bout de 15 secondes, ça devait être
éteint. Là, on va essayer. Donc, je tiens à préciser que cette appli, même si vous allez sur un jeu ou quoi, tant que vous voyez les carrés là, c'est-à-dire que l'appli est active. Donc, ça mine, d'accord? Ça mine en arrière-plan. Ça, faut le savoir, hein, vous gagnez de l'argent comme ça. Donc là, vous pouvez voir aussi en même temps que, pour l'instant, il ne s'éteint pas. Il ne s'éteindra jamais. Voilà. Donc, si tu as d'autres aussi applis que tu génères de l'argent et que tu en perds parce que ton téléphone se met en veille, ben, cette application pourra t'aider aussi pour ton appli qui te rapporte de l'argent auquel ton téléphone se met en veille. Donc voilà, juste une petite astuce simple pour miner à volonté toute la journée. Ton téléphone ne va pas s'arrêter, ça je te le garantis, parce que moi ça je l'ai fait en une journée, on va dire, et quelques heures maintenant. Donc j'avais dépassé les 5000 satoshi dans la journée, d'accord. Et là, ça va continuer à miner parce que mon téléphone ne s'éteint pas, ne se met pas en veille. Donc voilà pour la première astuce pour gagner tout simplement ces satoshi à volonté sans que ton téléphone s'éteigne. Donc voilà, donc l'avantage c'est que tu peux voir aussi le prix, si ça monte ou descend, d'accord, ton truc. Donc là, il a bien monté, franchement, le Bitcoin Cash monte d'une puissance. Moi j'ai commencé, il était à 136,80, il a gagné 10 dollars en plus, 10 dollars maintenant, mais c'est énorme, franchement. Donc ça, c'est à vérifier aussi. Dès que tu as tes satoshi, tu peux attendre que le Bitcoin a bien descendu, d'accord, le Bitcoin Cash, et là tu fais ton virement et tu verras que sur ton wallet, s'il remonte comme là à 146, et tu vas avoir des intérêts sur ta somme que tu as eu, tout simplement. Donc si tu les prends maintenant et puis que le Bitcoin Cash descend, bien entendu ta somme, hop, descend aussi. Donc voilà poteau pour la première application, donc multi-cloud mineur, et laisser son écran allumé. Tu as juste ces deux applications là à télécharger et là tu vas miner ce que tu veux, hein. Moi je suis sur le Bitcoin Cash, mais tu peux aller sur comme là j'ai tenté le Satoshi ou les trucs comme ça, le Bitcoin, mais tu peux aller aussi sur l'Ethereum ou quoi, c'est la même manipulation, voilà. Ou alors directement si tu veux miner, donc ça sera le même truc, hein. Si tu investis, ton téléphone il se met en veille, ton truc va être arrêté, donc tu perds du temps et ton argent que tu investis. Là, tu vas pas perdre de temps. Donc, je te conseille que si tu as un vieux téléphone, un vieil Android, garde-le. Mets cette application-là et puis tu laisses toujours brancher quelque part dans un coin dans ta chambre. Et plus tard, dès que tu arrives à 50 000 satoshi, tu les retires tout simplement. Voilà. Et tu auras gagné de l'argent sans rien faire. Donc, c'est parti les potos. Maintenant, deuxième application pour gagner de l'argent en regardant des vidéos et en te montrant une astuce que moi j'utilise, qui est super cool. Ça fait comme un petit peu comme Bugs Money, ça va t'éviter d'avoir un petit peu mal au doigt. Allez, let's go, on passe à la deuxième appli. Donc voilà les potos, deuxième application. Donc je vais te montrer ça. Donc tout simplement, la deuxième application, si tu connais Jivy, donc moi j'ai pas mal de trucs, tu pourras gagner de l'argent avec des vidéos, avec ta radio, avec des jeux, des trucs comme ça. Donc moi, personnellement, les applis Jivy, j'ai les réseaux sociaux, tu postes juste des images, d'accord. Tu as un temps, normalement toutes les 24 heures, mais je crois que tu as 2-3 fois dans la journée que tu peux poster des images. Tu likes, tu es payé, tu as des points, tu postes, on te like, tu as des points. Voilà, réseaux sociaux, enfin c'est pas celui-là que je vais te parler de aujourd'hui, mais tu as pas mal de trucs de Jivy, voilà, tu écoutes la radio, tu as des points, la Jivy vidéo, tu as des points, tu as un nouveau Jivy radio aussi que j'avais téléchargé, tu as des points, c'est exactement le même, je ne sais pas, c'est peut-être un nouveau, et puis celui-là il va plus, je sais pas, j'ai même pas encore essayé, ça fait un moment que j'ai pas écouté la radio. Et sinon le deuxième, c'est tout simplement sur le Play Store, tu vas taper Jivy Short. Donc j'ai vérifié, ces deux applications ne sont pas sur Apple, c'est dommage, hein, parce que je fais pas mal de recherches aussi sur Apple, quel est le moyen de détourner un petit peu Apple pour gagner de l'argent, parce que j'aimerais bien aussi utiliser mon iPhone pour gagner de l'argent, mais malheureusement comme d'habitude
Apple bloque tout, c'est très dur à gagner de l'argent avec eux. Donc tout simplement en mode recherche, hein, tu fais JV2VY, d'accord, et tu pourras avoir déjà vidéo, social, cash, radio, tu as des jeux, hein, de toute façon, aussi. Mais là à côté, vu que c'est pas noté, tu vas mettre donc là slot spin and win aussi, tu as ça, tu vas mettre le short. Donc qu'est-ce qui est le short? Tout simplement c'est Jiffy Short App ou Jiffy Short, c'est pareil avec un S, tu vas cliquer dessus et c'est tout simplement un genre de TikTok, tout simplement, ou YouTube, les vidéos short de YouTube, de TikTok, tu as tous ces trucs là qui sont regroupés dans Jivy. Donc il faut savoir que Jivy paye, hein, a toujours payé les utilisateurs. Donc je te conseille de le télécharger, de faire ouvrir ensuite dès qu'il est installé et tu vas voir ce truc. Donc je l'ai installé ce matin et je suis à 15 centimes de dollars déjà, que tu peux voir tout en haut, d'accord. Donc voilà, c'est juste des micro vidéos comme TikTok, hein, comme tu peux voir, tu as le nombre de vues, tu as le like à mettre, tu as partagé cette vidéo à quelqu'un si tu l'as aimé, si elle est marrante ou quoi que ce soit. Tu as ici ce logo là, c'est juste pour gagner un peu plus de points, pour booster tes points, c'est de la pub, tu regardes des pubs, moi j'ai tout regardé pour l'instant, donc ça c'est pas mal. Et ici tu as le temps de la vidéo, hein, le temps qui se finit, et tu pourras voir que quand tu regardes tes vidéos et tu vas switcher, tu vas gagner des points. Donc c'est 100 points à chaque fois que tu visionnes une vidéo et puis que tu switches. Donc là ça revient à chaque fois au départ. Donc je vais te montrer que je suis à 0,15 centimes 60 tout en haut là ici. Donc regarde bien ici cette case quand je vais switcher, d'accord. Donc regarde, voilà, je passe à 15,61. Donc tu peux faire ça tout le temps. Tu peux switcher maintenant, 15,63, là j'en ai eu deux de plus, jusqu'au moment où tu vas avoir une pub, d'accord. Donc c'est ça qui va te générer beaucoup de points, c'est les pubs, bien entendu, comme d'habitude, comme Jiffy qui le fait à chaque fois. Donc ces pubs, dès qu'ils apparaissent, tu peux les fermer, les couper, hein, pas les regarder entièrement, c'est l'avantage que quand ils apparaissent normalement. J'espère que je vais en avoir une. C'est voilà, j'ai eu des points, vous voyez, il y a eu pas mal. Là vous avez un système de justement d'humains. Clac, vous dites voilà, il y a une activité suspicieuse, donc voilà, il faut tirer la flèche, hein, d'accord, vers la droite, et c'est bon, ça reprend. Donc comme vous pouvez voir, regardez, je suis à 15,85 grâce à la pub, hein, qui a monté, donc ça monte super bien la micro-monnaie. Et on va continuer juste à temps qu'on voit une pub qui va te doubler les gains. Alors il t'offre des bonus, regarde, 100 points, donc les points on peut les voir monter ici, d'accord. Hop, ici 100 points, j'aimerais bien recevoir 100 points, donc vous voyez 15,88, 100 points, donc là, hop, je switch, 100 points, je veux retomber vraiment sur une pub auquel il va me proposer vraiment un gros bonus de doubler ses gains. Ils vont te proposer ça, donc regarde cette pub, hein. Ne la zappe pas parce que ça va te faire monter énormément. Donc là voilà, je peux passer, et la petite croix, nickel, voilà, c'est ici, tu regardes la vidéo, 818 points, d'accord, à faire. Donc mon téléphone, la pub se retourne toute seule, il y a des moments ça arrive, donc je remettrai mon téléphone normalement il devrait se mettre automatiquement, mais voilà. Donc on peut passer cette pub aussi, hein, vu qu'elle s'est mise automatiquement, je pense. Donc voilà, comme vous avez pu le constater, vous avez aussi une demande de doubler vos points en regardant une publicité, donc
Mon téléphone, je ne sais pas, il s'est mis allongé et après il ne voulait pas se remettre. Je ne sais pas si c'est si mon ordinateur a ramé ou l'application qui a merdé. Donc un power, un mirror, c'est pareil, hein, ça demande beaucoup de machin. Il faut du bon matériel pour que ça fonctionne correctement. Donc là, je ne sais pas pourquoi il ne s'est pas redressé, mais bon, c'est pas grave. La vidéo continue grâce au cut. Donc, tout simplement, j'ai gagné de l'argent, comme tu peux voir, à 16 centimes. Donc, j'ai regagné 1 centime de plus par rapport à avant et dans cette vidéo. Comme tu peux voir, à chaque fois qu'on switch, tu gagnes des points juste à temps que tu fais ça et tu vas avoir des pubs. D'accord ? Ces pubs te génèrent plus de 100 points, normalement, je pense, hein, à chaque fois. Donc on regarde, bim, 737 points, tu vois, il y a une pub qui atterrit et 100 points en plus pour le switch. Donc, bah, tout simplement, l'astuce pour cette vidéo, pour gagner de l'argent, poteau, et bien, tout simplement, on va se rendre sur le Play Store et je vais te faire télécharger un outil indispensable pour cette application. Donc, c'est parti. Hop, nous allons sur le... sur le Play Store et tu vas taper tout simplement défilement automatique. Le défilement automatique et cette le défilement automatique, tout simplement, j'ai téléchargé ici, d'accord, comme tu peux voir, c'est marqué installer. Donc défilement facile, défilement, tout simplement, bah, tu vas cliquer dessus sur cette appli et tu vas l'installer et tu pourras l'ouvrir. Donc moi, c'est ce que je vais faire, je vais l'ouvrir, voilà. Donc au début, ils vont te demander de tout accepter, d'accord, si tu veux une superposition. Tu acceptes ça, tout, tu acceptes tout ce qu'ils te demandent, donc tu actives tout, tu vois que ça bug, tu fermes tout et tu reviens, d'accord. Donc moi, ils m'ont demandé aussi de faire un raccourci, ils m'ont demandé d'appuyer sur les deux boutons de volume si je veux vraiment le mettre, ou alors ils m'ont demandé aussi de le mettre dans cette petite tâche aussi là. Donc je le vois jamais. Donc je l'ouvre normalement comme là, d'accord. J'ai ouvert l'application et tout simplement vous aurez du truc général, d'accord. Donc vous pouvez voir, hein, ici afficher la barre de notification, animation de la barre de notification, vibration, mode de fonctionnement léger, bouton overplay, utilisation ajustée à la largeur des boutons. Enfin bref, vous avez pas mal de trucs. Je te laisse quelques temps pour voir ce qui est coché. Moi j'ai rien touché à la première page, d'accord. J'ai été directement voir sur faire défiler. Voilà, faire défiler. Et ici, tu pourras voir que tu as des boutons, d'accord, défilement automatique. Donc, tu choisis ta vitesse. Donc, tout simplement, moi, la vitesse, je la laisse à 0. Donc, tu peux voir comme ça, d'accord, ajuster la vitesse de défilement. Donc, tu peux l'augmenter en appuyant sur le plus, d'accord. Donc, 0,3%. Mais moi, bon, je le laisse comme ça, c'est bien. C'est juste la vitesse que par rapport à ton doigt que tu faisais, d'accord. Précision améliorée, je n'ai rien touché de tout ça, d'ailleurs je vais te le montrer, mais ici tu as tous les boutons, d'accord. Donc mode lisse, défilement automatique, mode lisse, navigation de la page, ça va être celle-ci, les poteaux, que ben on va prendre, d'accord. Donc ici je suis à, on va mettre 2 secondes. Donc navigation dans la page, nous ça va être, je crois, celle-ci qu'on va s'occuper. Donc tout simplement, tu touches à rien normalement, hein, tu as juste à régler ta vitesse. Donc je te conseille de la laisser doucement, ta vitesse, d'accord, pour la fluidité de la page qui va s'en aller. Donc tout simplement, tu vas mettre temps d'attente 8 secondes. Donc là, tu peux changer, à la rigueur, tu peux mettre, on va mettre 10 secondes. Donc voilà, admettons, fermé, voilà. Et ensuite, il y a un autre truc très important, c'est ici, je pense que tu ne seras pas à 180, mais tu pourras arrêter automatiquement le défilement, voilà. Donc, c'est vraiment ce qui va faire, d'accord, arrêt automatique du défilement, période indéfinie. Donc, c'est soit que tu le mets à 0, lui, il va s'arrêter automatiquement, il va peut-être te faire ça toute la journée, ou alors, vu que tu es sûr,
tu vas le laisser 180 minutes, d'accord, 3 heures. Toutes les 3 heures, ben, tu le réactiveras tout simplement. Donc tu fais fermer, moi je suis à toutes les 3 heures, vu que j'utilise mon téléphone pour autre chose, d'accord, donc je ne suis pas à 100% dessus. Donc tout simplement, tu vas cliquer sur le bouton démarrer. Donc comme tu peux voir, j'ai juste changé le temps, d'accord, de l'arrêt automatique pour le défilement. Et la vitesse, je l'ai changé vraiment, tu peux le mettre à 0, voire à 0,3, d'accord. Et ensuite, tu fais démarrer. Voilà. Tu vas t'apercevoir que tu peux avoir deux cases ici. Donc si je l'allume, hop, tu as un petit truc là pour les paramètres et tout. Donc moi, je les passe. Ça ne sert à rien. Hop. Mais par contre, ceci, on en aura besoin. Donc tout simplement, dès que tu as cette page-là, ben, tout simplement, poteau, tu vas retourner sur ton application Jivy. Donc c'est pour ça qu'il faut accepter de superposer cette application sur d'autres, d'accord. Il faudra cocher ta case, c'est simple, de toute façon tu as juste à suivre les trucs, hein, et activer. Si tu vois que ça bug, au moment que tu as tout activé, tu reviens, tu vas voir ton application, tu la redémarres, ça va être nickel. Tu n'auras pas grand chose à faire. Donc comme tu peux voir, ben, la vidéo s'est lancée, d'accord. Donc j'ai 16,3 et je t'avais parlé de ce bouton là ici. Donc dès que je vais l'activer, tu vas voir que tu vas avoir un temps d'attente qui va descendre sur le téléphone et en fait ça va switcher tout seul. Donc qui dit switcher tout seul, ça te soulage les doigts et en plus de ça, tu vas voir que je vais gagner des points. Donc c'est parti, je vais cliquer sur ce bouton. Donc je me suis trompé de bouton, ce n'est pas celui-là, mais celui-ci, d'accord, c'est le deuxième. J'ai remarqué ça. Ah si, ça y est, j'avais pas appuyé dessus. Donc comme tu peux voir, regarde, tu as une petite ligne rouge qui descend. D'accord, donc ça doit être peut-être les 10 secondes que j'ai mis, je sais pas. Voilà, et ça switch tout seul. Et qu'est-ce que tu peux t'apercevoir, c'est que les points arrivent. Donc, juste pour switcher, c'est en automatique. Maintenant, si tu as une pub, tu mets sur pause, d'accord. Mets sur pause, il faut tromper vraiment cette application. Parce que si tu vois que tu es en pub et puis que tu essaies de switcher en bas, c'est bizarre quand même, à chaque fois. Donc, mets-le sur pause, tu mets sur la croix. Et tout simplement, donc si tu te demandes de doubler tes gains, tu le fais aussi, hein, bien entendu. Et ici, tu redémarres ta période de switch pour gagner automatiquement tes points, tout simplement. Donc je pense que ça doit être les 10 secondes que j'ai mis. Donc tu pourras le baisser si tu veux tous les 5 secondes pour gagner plus vite. Hein. D'ailleurs, on va essayer de le faire. Je vais le stopper. Pour ça, je vais retourner sur le défilement. Je ferme. Donc là, le défilement facile, il s'est arrêté. Et tout simplement, je vais vérifier ici les 9 secondes. Si je mets moins, on va voir. Si je mets 5 secondes à peu près, je fais fermer, je fais démarrer, d'accord. Je m'en vais dans mon application. Et là, je rappuie dessus. On va voir s'il y a 5 secondes. Donc, on peut voir que ça va plus vite. Et voilà, tous les 5 secondes, il va me donner du 100 pièces. Voilà, il est déjà en bas, regardez. Ça switch tout seul normalement. Donc là, je l'arrête. Voilà, donc ça va super vite, donc je l'arrête. Je ferme cette pub. Et voilà, 747, je regarde cette pub parce qu'il me donne beaucoup de points. Et c'est comme ça que tu vas gagner de l'argent aussi rapidement que possible, poteau. Voilà, c'était ma petite vidéo sur les deux applications, les deux astuces qu'il faut faire pour gagner de l'argent. Donc, crypto-monnaie, tu télécharges vraiment la petite ampoule, hein, pour ne pas fermer ton écran de veille, et l'application là, défilement automatique, pour switcher tout seul ces vidéos afin que tu aies tes 100 points et de regarder tes pubs. Voilà, poteau, c'était je tente ma chance. Donc là, comme tu peux voir, il y a en loading, donc je vais pas le mettre tout de suite, j'attends que la vidéo revienne. Donc c'était je tente ma chance, poteau, c'était mes deux astuces du jour. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche. Je t'attends avec impatience, je serai ravi de t'accueillir dans la team de je tente ma chance, et je te dis bonne chance et bon gain à toi, à la prochaine.
Tchuss. Yeah.